Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à nouveau pour vos lectures quotidiennes. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. Alors, je vous laisse quelques instants pour choisir le paquet qui vous interpelle. Donc, pour le premier paquet avec la pierre lapis-lazuli, le deuxième paquet avec l'améthyste ou le troisième paquet avec le quartz rose. Et je vous reviens dans quelques instants pour faire la lecture de vos cartes choisies. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier paquet, il s'agit de la carte du 9 de bâton. Alors, quel message aujourd'hui je pourrais vous donner pour cette carte? Je vous dirais peut-être, mes chers amis, de méditer sur les défis que la vie vous envoie. Vous aurez peut-être besoin de temps pour réfléchir comment y parvenir, mais sachez que si la vie vous envoie des défis, c'est que vous avez la force de les relever. Donc, prenez le temps de jauger peut-être la situation, de savoir comment vous allez vous y prendre, mais n'hésitez pas à essayer au moins de relever les défis qu'elle vous envoie. Ça va vous donner des expériences nouvelles et ça va vous permettre de vous accomplir davantage dans votre vie. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, il s'agit de la carte de l'empereur. Alors, je vous dirais, mes chers amis, de méditer sur votre capacité justement à bien mener un projet, hein? C'est un peu la suite du 9 de bâton ici. Donc, parfois, on a peur de ne pas être capable d'accomplir quelque chose, mais la carte de l'empereur vient vous dire que vous avez la capacité de mener un projet à bien, une idée, un projet commun peut-être avec quelqu'un de votre famille, un collègue, votre conjoint ou conjointe. Donc, vous avez la capacité de l'accomplir et ce que vous voulez accomplir, bien faites-le avec assurance, hein. La carte de l'empereur, ça nous appelle à avoir cette assurance-là, cette confiance en soi. Qui nous permet d'activer les choses, de concrétiser des choses. Alors voilà ce que l'empereur vous appelle à faire, à méditer au moins sur la confiance que vous avez en vous pour mener un projet à bien. Et finalement, pour ceux qui ont choisi le dernier paquet, bien, on a à nouveau le 4 de bâton. Je dis à nouveau parce qu'on l'a eu la semaine dernière. Donc, c'est probablement un message que vous avez besoin d'entendre à nouveau. Donc, le 4 de bâton vous appelle, mes chers amis, à vous féliciter pour vos accomplissements. Ici, là, on a une suite, on dirait, de messages pour vous aujourd'hui, avec le 9 de bâton qui vous appelle à accepter les défis que la vie vous envoie. Avec l'empereur, ça vous appelle à concrétiser certains projets, certaines choses, et ici, à vous féliciter de vos efforts, de tout ce que vous avez accompli. Célébrez vos réussites et célébrez celles des autres également, hein. Donc, vous avez travaillé fort pour arriver à votre but, pour arriver à obtenir ce que vous vouliez dans la vie. Donc, célébrez ces réussites-là, hein. Donc, n'ayez pas peur de vous auto-féliciter, si ça se dit. Alors voilà, mes chers amis, pour vous, c'était vos messages de la journée du 24 décembre. Je vous souhaite un très beau réveillon de Noël. C'est dans quelques heures, alors profitez de tout ce que vous avez, profitez de la famille, des amis, de la bonne nourriture. Et soyez prudents aussi sur les routes, hein, pour ceux qui vont célébrer à l'extérieur. Donc, je vous souhaite de très, très beaux moments en famille et entre amis. Et on se retrouve demain pour ceux qui seront capables de se réveiller pour écouter des messages du 25 décembre. Alors, on se retrouve demain et je vous souhaite un très beau réveillon de Noël. Merci. Au revoir.